congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Mboka na biso. La campagne de sensibilisation sur la révolution patriotique a été lancée le mercredi 15 novembre 2023 par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bokoulouzola, devant la jeunesse de la République réunie au Collège des Hautes Études Stratégiques et de Défense à Kinshasa. Placé sous le thème « Le rôle et la responsabilité de la jeunesse pour la sécurité et la défense de la patrie », la campagne a eu pour but de sensibiliser les jeunes sur l'éveil patriotique. Au cours de cette campagne, le général de brigade Batabombi Apanza Jean-Daniel, commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements du service de communication et de formation des forces armées, a abordé les questions liées aux relations civilo-militaires. Nous devons communiquer parce que nous avions constaté que l'armée auparavant c'était une grande muette. Vous ne pouvez pas y pénétrer, mais aujourd'hui, nous pouvons communiquer avec vous, sauf si les questions se rapportent au secret des ventes. Les militaires doivent se comporter dignement et opérer dans le respect strict du droit. À protéger la population, au sein de l'armée, il y a tout. Il y a ce qui est médical, il y a ce qui est informatique, il y a ce qui est cybersécurité, tout ça. Même la personne qui enregistre les matériels pour amener au front, qui participent à la guerre. Est-ce qu'on comprend? Ne croyez pas que si vous venez vous tous, on va vous aligner pour aller faire de la sauvegarde. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe au sein de la vie. Au fond physique, ou bien au fond immatériel. Et nous allons voir votre niveau de moralité et on peut évidemment vous orienter. Donc, n'ayez pas peur, soyez engagés. Sachez qu'il y a plusieurs fronts pour participer à la vie de la nation en vue de la cohésion nationale. Le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Sami Adubango, a à son tour rappelé l'importance de la jeunesse sur qui repose l'avenir de notre pays et des FARDC. La cérémonie s'est clôturée par la prise de photos souvenirs devant le bâtiment. Arrivé à Kisangani par l'aéroport international de Bangoka, du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Ishalingo Janduru Jacques, ce vendredi 24 novembre 2023.
Reçu au pied d'avion par les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, les commandants de la 31e région militaire et tous les officiers généraux de la garnison de Kisangani, les chefs d'état-major général adjoints des forces armées de la République démocratique du Congo et à la tête d'une forte délégation en mission d'inspection et de commandement dans la zone de responsabilité de la 3e zone de défense. C'est après les honneurs militaires à l'aéroport international de Bangoka que l'autorité révèle son agenda qui consiste en des séances de travail dans différentes unités de la garnison de Kisangani pendant quelques jours pour s'imprégner du niveau opérationnel des unités sur place. Il faut noter que le sous-chef état-major en charge des opérations, le général-major Chikon Chintambwe, fait partie de la délégation conduite par l'autorité. Pour ce faire, tous les commandants de grandes unités, le chef de département, les officiers et sous-officiers étaient mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est après une réunion avec tous les officiers généraux de la garnison au cabinet du commandant de la 3e zone de défense que son cortège a pris la direction de sa résidence. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Ishalingonza Jacques, poursuit son séjour à Kisangani, état-major de la 3e zone de défense, s'imprégner de la situation sécuritaire et des capacités opérationnelles des unités qui composent cette zone de défense. Pour la journée de samedi 25 novembre 2023, l'autorité militaire a eu droit à un exposé lui présenté dans la salle de réunion de la 3e zone de défense par son commandant, et ce en présence de ses adjoints, les commandants de grandes unités, ainsi que le chef de département et chef de service de la 31e région militaire. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Ishalingonza Jacques, poursuit son séjour dans la garnison de Kisangani, dans le souci de s'imprégner personnellement de capacités opérationnelles des unités de cette garnison, mais aussi de savoir comment les recrues et les militaires sont formés et entraînés. Il a eu le temps de descendre personnellement à la tête d'une forte délégation au camp lieutenant-général Maouban, là où il y a un centre d'entraînement des militaires. Il a tenu une réunion, il a assisté à l'exposé du commandant centre, il a donné des instructions fermes et claires en ce qui concerne les instructions et la formation. Ce qu'il a paraphrasé pour dire que la formation est la leitmotiv de l'armée. Pour que notre armée monte en puissance, il faudrait des hommes bien formés et des cadres bien formés. C'est pour cette raison qu'il a eu des entretiens avec les instructeurs qui sont au centre d'entraînement, tous les officiers et les commandants centres. Notez aussi que le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations de renseignement est arrivé au champ de tir du centre d'entraînement du lieutenant général où il a assisté à un entraînement de tir exercé par les recrues. Les recrues se sont exercées et il a apprécié la capacité de ces recrues, il a apprécié le résultat obtenu pour ce jour de lundi 27 novembre 2023. Et étant donné qu'il est le plus de l'armée, il a promis de résoudre toutes les difficultés qui lui ont été présentées dans la salle des réunions et pendant les exposés, pour aussi dire qu'il a tenu, il a promis ramener à la haute hiérarchie militaire des idérata des commandants pour que des solutions adéquates puissent être apportées pour la bonne formation de nos jeunes. Et donc, la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo actuellement est effective et réelle. Dans la délégation conduite par l'autorité, il y a la présence éloquente du sous-chef état-major OPS, le général-major Chiko Chitamwe, qui a accompagné l'autorité, qui aussi, dans ses remarques, était très pertinent et a donné des orientations nettes et claires pour que les garde-fous nécessaires puissent être mis en ce qui concerne la formation et l'entraînement des troupes.
Notez que sa présence au camp lieutenant-général Mahouma n'est pas une première, puisqu'il était là 2 mois passés où lui-même a exercé un essai de tir d'entraînement avec des recrues qui aujourd'hui sont déjà déployés et estiment que les résultats sont probants et positifs. Cette opération de tir, appréciée également par les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, ainsi que le commandant de la 31e région, le général-major Mouzingamous Timothée, qui ont accompagné la délégation de l'autorité dans toute la garnison, récolter les orientations, les instructions à mettre en pratique. Le commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa a tenu ce vendredi 24 novembre 2023 une causerie morale à l'intention des militaires et policiers de la garnison de Kinshasa au camp lieutenant-colonel Kokolo. Ceci en présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa. Le général-major Kizimu Mbuyu Stazin a rappelé aux militaires et policiers leur mission en cette période préélectorale et face à l'insécurité dans les camps militaires et policiers de la capitale. Il a en outre expliqué les contextes sécuritaires et politiques de l'heure. Avant d'insister sur la discipline, il a recommandé aux militaires et policiers de la garnison la vigilance tous azimis. Bas policiers, bas soldats, bas alina plateau, bas hommes, mais qu'à cause qui ça, qui vient, gâti, y a bandé comme Oyo, Batombo Kaki, contre bandé comme Osus. Wana Ezali, objectif, Ezali Moussala, y a commandement. Ezala ya armée, ezala ya police, na garnison ya Kinshasa, tout comme la garnison Nyonso. Alors, tant que bande konabiso, bazo sala musala wana, ça peut toujours arriver que baki makuna, pression, ba yako se filtrer na mboko. Si koyo tango moto akimi kuna, ayeko se filtrer na mboko. Ou bien, a changer méthode. A rejoindre Raya Bakuluna, Moussala na yo, na titi na yo, moutou ya sécurité, soda na police, et kozala ni. Wana, Moussala na biso ya ba soda. Ko dénoncer, makambo nyonso ya mabe, et lige touche sécurité ya mboko. Moutou a lié na biloko za ya mboko, il faut ko dénoncer ye, parce que sécurité ya mboka, ya Kinshasa. Ezali yo, ezali ngai. Est-ce que soyokani? Il faut que nous soyons très vigilants. Qui sont les soldats, nous allons faire un principe pour que nous soyons dans la ngai, natala yo, nous sommes vini. Totalana. Parce que ma kambo, ayo, mon inga za pebe, n'a zo sala, boutou, yo, yedi yangote. Si qu'on sort, qui va apprendre? Et que vous découvrez que Azali n'a pas de bilan pour petit sama. Il faut que vous dénonciez avant les attaques. Parce que ce qui vous a dit, vous dénoncez, je vous vois, à côté de vous, vous pouvez vous faire, alors que vous êtes innocent. Le commandant de la 14e région militaire a insisté sur la politisme des FARDC et de la PNC. Maka mon aviso. Et allez pour protéger la population à voter, pour protéger les politiciens à l'église à voter. Parce que Bangonioso, Bazali Banamoka, est-ce que Toyokani? Et ça la nopo na yo katilibaya. A Bengio, Yaka na réunion nangaï, Gaï na kosa la député, Boya na réunion. Soda a participé à la réunion à ma politicien. Soda a sali la politique. Azali katikati, azo tala ba politicien, bazo sala makambo na bango, population, azali yaye, me biso tozo tala bango, oya ligatia makelele, to kangiye, oya ligatende, mopanzi, tozo ngisiye na bosembo, mosala ya soda, mosala ya police, yango wana. Thank you.
général-major Kapé Kaloumé, commandant second en charge de la planification du corps de santé militaire, a reçu le jeudi 16 novembre 2023 une délégation mixte composée de l'Organisation mondiale de la santé, du centre des opérations d'urgence, de la polio et de la fondation Bill et Melinda Gates et Melinda Gates. Au cours de cette rencontre, les échanges ont tourné autour du renforcement de la collaboration avec les FARDC dans le cadre des activités de vaccination contre la polio sauvage et d'autres maladies évitables par la vaccination. Dans son plaidoyer, M. Mawa Fabrice a, au nom de l'initiative mondiale de lutte contre la polio, le programme élargi de vaccination et le centre des opérations d'urgence contre la polio, présenté les actions suivantes à mener avec les FARDC, à savoir les renouvellements de l'engagement, la sensibilisation des familles militaires et leurs dépendants, l'accompagnement aux zones d'accès difficiles pour la vaccination, les partages des messages clés sur la polio et la formation du personnel de la santé militaire. Cette campagne, elle est nationale, oui, et ciblée les enfants de 0 à 59 mois, soit les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans. Cette intervention sera couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à la albendazole dans 8 provinces, notamment le nord et le sud de Bangui, dans le Kassai oriental, dans la province du Congo central, Kinshasa, aussi Sankourou, vont passer, tout en remerciant l'état-major général qui a autorisé cette réunion et qui s'est engagé à accompagner le ministère de santé et de la population pour la réussite de cette campagne nationale. De sa part, le général-major Kapé Kaloumé leur a rassuré la franche collaboration avec les FARDC, tout en précisant que ces différentes attentes sont déjà réalisées à 80%. Nous venons de recevoir dans une réunion là de coordination avec nos partenaires. C'est en prévision de la campagne de vaccination qui vient d'être lancée aujourd'hui. La population militaire faisant partie de la population d'une façon en général, leur famille est dépendante, sont censés aussi bénéficier des différentes activités liées aux activités de soins, prévention ou traitement. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous venons d'échanger, on a planifié et nous savons que ça va très bien se passer à travers la ville de Kinshasa et toutes les autres provinces qui étaient concernées par rapport à cela. Ce n'est pas une photo de famille que la réunion s'est clôturée. La structure Programme de coordination nationale de l'éducation et aide des orphelins militaires et policiers, coordonnée par l'apôtre Kayembe Mboa, a célébré le lundi 20 novembre 2023 au camp Badara la journée mondiale du droit de l'enfant avec les enfants orphelins militaires et policiers congolais afin de promouvoir les respects et les droits de l'enfant mais aussi de faire voir aux enfants les journées inédites et les rendre heureux. Accueilli par le commandant du camp Badara, le major Mangola Mbalala, la cérémonie a débuté par une petite prière faite par M. Kayembe Mboa, donateur de cette structure avant la lecture du mot de circonstance par le secrétaire de cette dernière, M. Bodiabi Olivier. Dans son mot de circonstance, M. Bodiabi a remercié la hiérarchie policière et militaire pour leur assistance en vue de la réussite de cette lourde tâche et ensuite il a expliqué les... Notre structure de l'éducation, de l'encadrement des filles mères, il s'occupe de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche aussi, mais chacun de nous, avec ses moyens, il peut faire quelque chose pour soutenir nos enfants. Par cette occasion, les enfants ont demandé de l'aide et le soutien auprès des autorités civiles, militaires et policières. Félix Antoine Tshisekedi a tout ça dit. A général Patience a tout ça dit. Général Patience a tout ça dit. Pour clore la cérémonie, l'apôtre Kayembe a remercié les autorités qui ont soutenu l'activité et a demandé de les soutenir pour un bon encadrement de ses enfants. Notre but, c'est pour éduquer et aider les enfants orphelins. Voilà pourquoi nous voulons avoir le soutien de plusieurs manières pour nous aider à atteindre notre but. La cour militaire Chopo et les Ouélés a commencé ses audiences introductives ce mardi 21 novembre 2023 dans la salle de cette institution judiciaire. Au total, quatre affaires ont été appelées par la cour, notamment
Les dossiers enregistrés sous le rôle pénal numéro 080-023 qui a mis aux prises l'auditeur militaire et ministère public contre le prévenu Ngoga Senga, Major Maluba Mwamba et M. Ngongo Matadi Papi poursuivis pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline militaire, la violation des consignes et la concussion. Le rôle pénal numéro 081-023, affaire dans laquelle l'auditeur militaire supérieur et militaire public a poursuivi le prévenu commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, Kikakola Osio Jean-Marie, poursuivi pour outrage envers son supérieur. Le rôle pénal numéro 082-2003, l'auditeur militaire supérieur a poursuivi dans cette affaire devant la cour d'Océan les majors Kassika Philemon du 33e groupement aérien du chef d'outrage envers son supérieur. Enfin, le rôle pénal numéro 083-023, affaire dans laquelle la cour juge le lieutenant-colonel Kanda Bin Kandolo du 3e base logistique pour refus d'obéissance et outrage envers son supérieur. Il faut rappeler que la composition de cette chambre a une affiche particulière en ce que non seulement elle est composée des officiers supérieurs, en l'occurrence les colonels magistrats Sungu Yuma, premier président de la cour, le lieutenant-colonel magistrat Moussans Kantung Willy, conseiller à la cour, les colonels Mbondani Mbombo, juge assesseur, les commissaires supérieurs principaux Kazinguvu Kayembe et Biabongo Guy, juge assesseur. Est-il que dans l'affaire numéro 080-023, le prévenu colonel Ngoga Senga, commandant bataillon PEM, 31e région militaire, ne pouvant être jugé par un inférieur en grade, la cour a sollicité le service d'un conseiller civil à la cour d'appel de la Tchopo pour composer le siège. Cette première audience consistait à l'identification de tous les prévenus qui ont comparu, mais aussi à l'examen des préalables et les demandes de liberté provisoire introduites par CSU avant l'instruction au fond. Ceci avec les concours du ministère public représenté par le colonel magistrat Diemo José, auditeur militaire supérieur, et l'assistance constante du lieutenant-colonel Innocent Chambi, greffier à cette cour. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.